Abba des âmes. C'est toi qui étais, qui es, qui viens. C'est toi qui as dit à Jean, monte ici. Je vais te montrer encore des choses qui doivent arriver. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de monter encore. Nous avons besoin de monter encore en consécration. Nous avons besoin de monter encore en sanctification. Nous avons besoin de monter encore en prière. De monter en foi. De monter en révélation. Seigneur, fais-nous montrer. Fais-nous monter encore. En ce temps du soir que l'Église traverse, en ces derniers jours de l'année, nous avons besoin de monter encore. Monter encore jusqu'à toi, Seigneur. Toi qui ne supportes pas la bassesse, tu veux que nous puissions monter. Nous sommes là, Seigneur, tous disponibles pour t'écouter. Parce que tu veux nous parler. Parle à nos cœurs. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci la main de l'Éternel pour ce moment de musique. Nous vous remercions d'être venus dans la présence du Seigneur. Nous saluons tout son nom, Seigneur Jésus. Merci pour votre persévérance. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous sommes déjà à la troisième semaine de notre championnat de prière. Et c'est au commun pour Sato. Il y a le Sambonabiso. Et ce soir, nous avons eu la grâce de recevoir un puissant homme de Dieu. Et pour d'autres personnes, il n'est plus quelqu'un à présenter ici. Mais votre père, c'est mon frère d'alliance. Lui, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Un homme bien. Il a un message clair. Il aime le Seigneur. Et il aime l'Église. Amen. Et ce soir, c'est lui qui va nous parler. Nous avions voulu lui donner beaucoup de jours, mais c'est un homme très chargé. Il a beaucoup de programmes sollicités partout. On lui donne d'abord un et puis on va discuter. Je sais que comme il est encore là, il aura tout le temps. Ça, c'est sa maison. Amen. 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 Il avait une grande conférence le samedi à Apocalypse 22. Parce que c'est aussi un prédicateur de pasteur. Et je me disais, est-ce que parce que la pression du travail était tellement grande. Il y avait plusieurs autorités qui étaient là, le gouverneur était aussi là. Le président de l'Assemblée provinciale était aussi là. Et c'était vraiment une matinée bénie. Apocalypse 22. Amen. Et ce soir, c'est lui qui va nous parler. Ceux qui ne viennent que le dimanche, ils pensent que les choses bonnes ne viennent que le dimanche. Or, pendant la semaine, des fois, nous sommes bénis par des grâces exceptionnelles. Amen. Alors, le révérend Claudy n'est plus quelqu'un à présenter encore, comme je l'ai dit tantôt. Dans le corps de Christ, Dieu lui a fait grâce d'être apôtre. Il est aussi écrivain parce que. Il faut mourir dans le livre noté. Aïe, aïe, aïe.
parce que ils sont tout le temps dans la mission. C'est aussi un écrivain. Il a déjà enrichi la bibliothèque congolaise par ses écrits. Alors le révérend Claudy est sérieusement marié. Il est gravement marié. Ceux qui ne sont pas mariés sentent les cœurs comme ça. Mais parce que ma vie est en pour la championnat, on a un peu la taille. Amen. C'est le Seigneur. Alors, le révérend Claudie est orange, pas corona. Officiellement marié. Mais la paix en boule, la mise en boule à ma taille. Ça reste quoi? Il est merveilleusement marié à une seule femme. Alors, avec tout le respect qui est dit aux hommes, j'aime écouter cet homme. Avec tout le respect qui est dit aux hommes de Dieu, nous recevons le révérend Claudie sous vos acclamations. Merci, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Nous remercions Dieu de nous avoir alignés comme joueurs dans ces grands championnats. Nous savons et nous croyons que nous allons bien jouer. Et le diable va perdre. J'ai amené beaucoup de billes pour toi. Amen. Soyez béni. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Merci, évangéliste. Merci beaucoup. Amen. Rapidement, tu vas ouvrir la Bible. Dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Nous allons lire du 22 jusqu'au 25e. Genèse 30, 22 jusqu'à 25. Genèse chapitre 30, le verset 22 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de ton nom, Seigneur Jésus. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Verset 23. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. Verset 24. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Nous pouvons nous rasseoir. Soyez bénis. Que Dieu bénisse tes oreilles. Que ton cœur soit disposé. Parce que bientôt nous allons exploser. Exploser spirituellement. Merci. Amen, amen, amen. Amen. Là où nous avons lu, on nous a parlé de trois personnages. C'est Jacob, Rachel et Laban. Le thème est clair. Mon temps de sortie et des entrées. Mais nous allons nous focaliser seulement aujourd'hui sur la sortie. Jacob qui sort
de la maison de Laban. Yakubu o azubima ndako ya Laban. Mais comment il s'est retrouvé là-bas chez Laban? Kasiboni kene komi kota na kuna na ndako ya Laban. Jacob est arrivé là-bas parce qu'il fuyait son frère. Jacob ya komi kona po itande ko lukande ko na ye. Il fuyait son frère. Andako kima ndeko na ye. Il fuyait la colère de son frère. Vous savez l'histoire? Vous connaissez? Certains disent qu'il avait volé la bénédiction de son frère et s'est enfui. Mais moi je peux vous prouver noir sur blanc. Il n'a pas volé, mais il avait récupéré. Tout ce que on t'a volé, tu peux les récupérer. Cette première place-là, c'était la place de Jacob. Mais Esaü s'est précipité. Dans le ventre de maman, de Rebecca, les deux garçons se battaient. Pourquoi il se battait? C'était un combat de leadership. Moi, je suis le premier. Jacob voulait sortir. Mais son frère, Esaü, s'est précipité. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là dans le ventre et je ne voyais pas ce qui se passait là-bas. Mais la Bible nous dit seulement lors de la maternité, de la naissance, lorsque Esaü est sorti, Jacob a tenu le talon de son frère. Les bébés qui étaient restés à l'intérieur, mais sa mère a touché le talon de celui qui était le garçon. Moi, na bébé, c'est quand même qui n'a qu'à se na kobima akangi le colan de kona mobile. Papa, c'était un langage. Ah, Ezekiel l'obéit. Que ces deux enfants. Et devant nous, balé. Ils se disputaient dans le ventre. Ah, bah, le colan de kona. C'était le positionnement. Ezekiel. C'était une guerre pour la place. Ce qui place la yomoutou à soi, on récupère place. J'ai parlé à quelqu'un, tu l'as pas écouté. Dans le ventre, les bébés se battaient. Mais je leur pose la question, pourquoi battaient? C'est Jacob qui m'avait répondu. Apôtre Glody. Lui, il veut prendre ma place. Il veut sortir le premier. Il veut devenir mon grand. Ça, c'est Jacob qui m'a répondu. Mais j'ai posé la même question à Esaü. Esaü était déterminé de sortir le premier. Et puis il est sorti le premier. Écoutez, Jacob en saisissant le talon de son frère, c'était un message qu'il disait à Esaü. Moi et toi, ça sera toujours comme ça. La guerre sera longue et populaire. La guerre sera longue et populaire. Même si tu es sorti le pays, même si c'est toi l'aîné, c'est toi Tim. J'accepte. Mais je récupérerai ma vie. C'est pourquoi la Bible dit un jour, par la nourriture, il a dit à son grand-père, avant de te donner, donne-moi le droit de naissance. Cela veut dire, ma kamu ali boumou, et lui aussi l'a dit, moi j'ai faim. Là, dans son sala. Quoi me sert ces droits de naissance? Moi, j'ai. Vous allez comprendre que il était l'aîné, mais il n'était pas vraiment l'aîné. Parce qu'on ne peut pas accepter de vendre les droits de naissance à
à cause d'une bouillie. Latine-moi pour ton pote. Une sauce. Latine-moi soupe. Il pouvait attendre la nourriture de maman à 17h. Ah, pour nous, maman à 17h. Lorsque on ne comprend pas la valeur de ce qu'on a. Cela veut dire. On n'a pas été vraiment destiné par Elohim à voir cette chose ou à occuper cette place. Est-ce que les gens me comprennent? Vous me comprenez? Vous me comprenez? Si là où tu es, c'est Dieu qui t'a destiné. Tu géreras très bien cette place. Et tu te comporteras très bien. Tu connaîtras la valeur. La valeur de ce que Dieu t'a donné. Mais si Isa parle de manœuvre comme Esaou, tu vas dire prends les droits de naissance. Ça, c'était le premier mita. On les a dit mita niveau soya match. Apporte les droits de naissance. Mais on attendait maintenant deuxième mita. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous demandez ce soir là. Deuxième mita. Bazouakango, le jour de la bénédiction. C'est là la finale. Et on dit finale, mieux sur soya. Finale la championne. Que ça ramène bien. Que ça ramène bien. Amen. Papa qui voulait mourir appelle Esaou dans la chambre. Papa a dit qu'on faut aller Esaou dans la chambre. Je suis dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Il appelle son fils aîné. Abenmoi na ligoso. Je vais mourir. Je dois te bénir. Voici la condition. Atala tina. Prépare-moi un gibier que je mange. Mon cœur se réjouit. Et je te bénis. Écoute-moi. Prépare-moi un gibier que ma bouche mange. Mon cœur se réjouit. Après, je te bénis. Ce n'est pas la main qui bénit. Ce n'est pas la bouche qui bénit. Mais la vraie bénédiction vient du cœur. Si le cœur de Dieu n'est pas dans la joie, le cœur de son serviteur n'est pas dans la joie, le cœur même de ton parent n'est pas dans la joie, tu n'auras rien. La bénédiction, ce n'est pas le costume. La bénédiction, ce n'est pas les maisons. Ce n'est pas le voyage ni les types. La bénédiction, c'est une bonne parole. Et c'est le Na lobi bénédiction solo sur les amaloba. Amen. Les amilogoté. Maloba na ne mutrebe nga biloko. Amen. Et puis on va nous biloko facilement. À cause ya maloba malobi. La bénédiction. Ni pamboli. Je suis en là. Na côté dans la terre. Dans la terre bene. Mo wana bénédiction to kabola mo trois parties. Bene signifie bon. C'est qui ko ba iluku ya malamu. Ti, parole, l'iloba, action, action, moussala. Donc la bénédiction, du pamboli, c'est une bonne parole. Et ça, l'iloba est malamo. Qui est parlé, qui est sorti, à cause d'une bonne action. Anatine, misala, moko malamo. Si on te dit de bonnes paroles, sous bénédiction, l'iloba est malamo. Mais toi, tu n'as pas posé de bonnes actions. Parce que c'est le misala malunga. Ces bonnes paroles, l'iloba est malamo. N'agiront pas. Ces paroles-là, même si elles sont bonnes, parce que toi, tu n'as rien vu. Ces paroles vont rester sur toi sans effet. Parce que la parole qu'on a prononcée n'a pas trouvé de soubassement. Il n'y a rien que tu as fait pour mériter l'accomplissement de ces paroles. Pour la joie, il y a un peu. Amen. Mon cœur se réjouit. Ma bouche va te bénir. La vraie bénédiction vient du cœur. Et Jacob a Isa. Écoutez-moi. Je dois vous le dire. La bénédiction là était destinée à Esaou. En Israël, lorsque un parent veut mourir, il doit bénir ses enfants. Mais
il va accorder la grande bénédiction à son fils aîné. Pourquoi le fils aîné? C'est lui qui continue l'œuvre de Papa. C'est pourquoi il avait appelé Esaü. Il lui a donné même la formule de la bénédiction. Ce qu'il doit faire pour avoir. Il y a une différence entre la promesse. Et la formule. C'est la même la formule. Et bien, on a la promesse. Dieu m'avait dit, avoir les promesses, ce n'est pas un problème. Ah, mais est-ce que toi, tu as les formules de l'accomplissement? Ne te réjouis pas parce que tu as les promesses. Réjouis-toi parce que tu as aussi obtenu les formules. La promesse de la bénédiction existe. Mais chaque promesse de la bénédiction doit s'accompagner de la formule de la bénédiction. La promesse de la bénédiction doit marcher avec la formule de la bénédiction. Je te bénirai. Voici la formule. Va, prépare-moi. Je mange. Mon cœur se réjouit. Je te bénis. Je veux te bénir. C'est la promesse. Ça, vous n'avez pas le mot de passe. Vous avez le mot de passe, c'est le pas mot de bino. Mot de passe de ses promesses. Mot de passe, c'est la kawana. Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit. Ce n'est pas ça le problème. Et à mon pied, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que ni ne signe nos cosa? Comment parvenir? Dans le lendemain, nous croquons comment? À vivre ses promesses. N'a compris qu'à il a kawana. C'est ça le problème. Il y a mon Esaü était dans la chambre de papa. Asaki na suku ya tata na Esaü, il a reçu la promesse. Asu la ta. Esaü, on lui a donné la formule. Bapisi lengi kana kosa. Il est parti. Aki. À cause du retard. Na tina kolexa tango. Son frère. Jacob. Yakobo. Son frère. Jacob. Jacob. Qui voulait récupérer le droit de. O aligné à soi qui mokolo na ye. C'est votre accord, vous. Et ça, vous avez mis balé. Esaü et Jacob. Toi, tu lui as donné le droit de l'être. Mais moi, papa, je ne sais pas. Parce que moi, papa, je ne sais pas. Dieu, il était là. Il avait vie. C'était Esaü. C'était un ignorant. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Moutou a fallu la place où les place a été. En gros, ça va bêtise. Et Dieu va les déboulonner. Amen. Seigneur, pourquoi je commence comme ça? Ce n'est pas ça, ma matière. Mais je dois écouter les Saint-Esprit. C'est Dieu qui m'amène dans ces chemins. Mes amis. Esaü. Ne savait pas. En acceptant de donner le droit de naître. Il n'avait plus droit à la bénédiction parentale. Écoutez-moi. Faites très attention. Dans les alliances que vous faites. Faites très attention dans les accords que vous signez. Dieu au ciel, il est témoin. Ah, Dieu est témoin.
Samazota là. Dieu est témoin. Dieu savait. Et Saou. Et Saou. Tu as donné le droit de naître. On fait ce qui me colle là. La bénédiction de papa, tu l'auras. Dieu a créé les choses. Lui, il est parti. Il a qui? Son frère. A coopéré avec maman. Il a sonné la maman là. Et son frère. A reçu la bénédiction. Il a fui. A qui? C'est là où maintenant je commence. Là où il est parti. Il est parti se réfugier chez son nom. Avec qui me prend nos une personne qui s'appelait Laban. Laban. Écoutez. Yonka. Laban. Laban. Il a trois casquettes. Laban devant Jacob. Laban il a trois casquettes. Azab première casquette. C'est son oncle. Azab parce que Laban. Laban. C'est le grand frère à Rebecca. Azab hier maman il est parti chez son nom. A qui n'a pas nos conaïe. Pas de problème. C'est moi un péché. Ils appellent les sous-montés. J'ai un problème ici. Ah, je vais chez mon oncle. Pas non qu'on amen. Ce n'est pas un problème. Ils ont des commentaires. Mais chez son oncle, ce n'est pas chez toi. Et pas non qu'on c'est pas non. Chez son oncle, ce n'est pas chez vous. Et pas non qu'on c'est pas non. Là où tu es parti. C'est sûr que l'oncle a ses choses. Ah non qu'on passe à ma tante. L'oncle là-bas. Non qu'on là-bas. Était fétiché. Azaki monte la kiss. L'oncle là-bas. Non qu'on là-bas. Avait des magies. Azaki n'a pas solo là-bas. Ne priez pas les dieux d'Abraham. Là-bas, n'était pas dans l'alliance. Là-bas, n'avait pas de promesse. Là-bas, c'était païen. Voilà là où notre ami Jacob est allé. Il est allé à l'église. Il est allé à l'église. Il ne savait pas que là où il va, il y a des histoires, il y a des combats. Il va dans une prison sans le savoir. Et quand il arrive, écoutez la déclaration de là-bas. Oh Jacob, toi tu es mon sang. Tu es chair de ma chair. Os de mon os. Il avait accueilli comme ça. La formule de Genèse 2. Ah, formule de Genèse. La formule du mariage. Formule la libala. Ce que Adam avait dit. Oh Adam a l'obat. Là-bas aussi l'a dit. Qu'on appelle là-bas ça voulait dire quoi? Spirituellement. Tu es chair de ma chair. Tu es entré dans mon alliance. Tu es entré dans la marmite. Tu es dans notre prison. Tu es dans notre prison. Chair de ma chair. Ah, mais nous t'accueillons. Nous sommes ici. Jacob était ignorant. Jacob est un peuple périphérique de connaissance. Toi qui écoutes mes messages. Où est-ce que tu es? On t'avait introduit où? Aujourd'hui. C'est ton temps de sortir. Allez, sors! Allez, sors de la maison de la mort. C'est mon oncle. Mais tu ne connais pas. Parce que lui est de l'homme. Ah, tu ne connais pas. Le de l'homme. Ah, tu ne connais pas. Lui est Dieu. Et l'oncle enfant. Oh, là-bas. Avec les fétiches. Ah, c'est la Bible qui les témoigne. Et ça, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai pas l'habitude de donner beaucoup. Amen. Ça c'est la première casquette de là-bas. On essaie l'on allait au là-bas. Oncle. Noko. Mais un oncle mauvais. Parce que Noko Moko m'a bé. Un oncle fétiché. Noko Moko m'a kissé. Un oncle qui a des statues. Noko Zola de Keko. Ça compliquait la vie et l'avenir. Il y a moins mon tchaboulier qui n'a pas me peine à l'oubli. Ça brillait même la vision de Jacob. J'ai pris ce soir. Et le Dieu de Paul Owa. Protège ta vision. Ah, bon, bah, ah, bien, amen, bien. Que Dieu protège toi. Que Dieu protège tes rêves. Bon, bah, quand tu grandissais, il y avait des projets. Il y avait des rêves. Et qui les a embrillés. Ah, bah, moi, tu qui les a embrillés. Aujourd'hui. Hello. Là-bas va te laisser. Là-bas que là-bas te laisse. Là-bas que là-bas te laisse. Là-bas que là-bas te laisse. Que tes rêves
Que ta vision soit bénie. Que ta vie soit bénie.